Venga, bueno, esa función se va a pulsar. Allez, salut, salut les gars, voilà. Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samo Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc pour ceux qui me suivent comme ça sur WhatsApp, vous avez déjà vu que j'ai déjà mis j'ai mis ce screenshot là, cette information sur mon statut WhatsApp. Et bien, il s'agit là de la bourse de l'université du Siana. Et comme vous le voyez là, la date limite c'est le 6 septembre 2022. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous avez moins de 2 semaines ou bien maximum 2 semaines pour pouvoir postuler à cette bourse là. Voilà, donc si vous lisez bien, excusez-moi, si vous lisez bien, vous allez comprendre que ici, on vous dit un instant, je vais mettre en français, comme ça vous allez comprendre comment ça marche. Je vais mettre en français. Vous allez lire en même temps que moi, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc la bourse complète comprend l'hébergement gratuit et les repas et un paiement mensuel pour couvrir les dépenses supplémentaires. Vous comprenez? Voilà, donc ici, on dit, veuillez noter que les étudiants étrangers avec des revenus à l'étranger qui souhaitent postuler, ça, c'est pas vraiment important. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est quoi? C'est de pouvoir lire l'élément qui est là. Donc, si vous remarquez bien, toute la documentation doit être traduite en langue italienne. Donc, pour ceux qui m'ont écrit pour poser des questions, vous voyez un peu, vous devez avoir des documents en langue italienne par l'autorité diplomatique italienne dans le pays d'origine. C'est-à-dire vous traduisez vos documents et vous allez les certifier là-bas à l'ambassade de l'Italie dans votre pays. Voilà. Donc, c'est en ce moment-là que vous allez prendre ces éléments-là pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Donc, je répète encore, pour ceux qui suivent ma vidéo, essayez de liker la vidéo avant de continuer parce que c'est une bonne opportunité pour moi aussi de faire voir la chaîne YouTube. Et ici, par exemple, comme ça, si vous voulez postuler à cette bourse là, c'est hyper simple. Voilà, dans les normes, je dois vous expliquer un peu les éléments qui sont là, mais ça va pas se faire, c'est pas un problème. Vous allez cliquer sur l'élément qui est là directement pour vous retrouver sur la chaîne YouTube ou bien ce qui est là pour vous retrouver sur la plateforme de bourse pour pouvoir postuler directement. Voilà, je vais faire une vidéo qui est assez courte, donc on va aller directement pour vous montrer un peu ce qui se passe là-bas et puis comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc ici, je vais cliquer sur l'élément qui est là directement, ça me renvoie sur cette plateforme. Voilà, on va traduire aussi en français. Si vous voyez directement, vous allez comprendre que ici déjà on vous montre il y a une urgence en ce qui concerne la bourse. Voilà, et ici par exemple comme ça, bande d'annonce annexe A, tous les annexes sont là, vous allez les prendre, mais ça sera après. Voilà, pour l'instant ce que je vous montre, c'est une vidéo qui est assez courte, donc je vais pas perdre le temps. Donc ici, la date limite de soumission de la candidature est fixée avant le 13 à 13h, le 6 septembre, comme je vous avais déjà dit auparavant, et avant le 19 septembre jusqu'au 15 novembre 2022 pour ceux qui veulent faire quoi, le doctorat ou la spécialisation. Ok, donc pour pouvoir faire cela, vous voyez ici, je vous rappelle encore que ici, la procédure qui est là, par exemple comme ça, liquidation, versement pour les gagnants de 2022. Ok, bon, ça c'est assez superflu. Donc, on va aller directement pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour que vous puissiez au moins commencer. Voilà, donc ici, pour participer au concours, il est nécessaire de remplir la demande par le biais de la procédure en ligne appropriée. C'est ce qui est là. Donc, vous cliquez sur ce qui est là et vous allez vous retrouver ici. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé la procédure, ils vont cliquer là pour pouvoir commencer. Et ceux qui n'ont pas commencé la procédure, vous allez cliquer là pour d'abord pour vous inscrire et puis essayer de postuler normalement. Voilà, donc si je clique là directement, ça me renvoie sur cette plateforme-là. Donc, cette plateforme-là, c'est juste des éléments que vous devez, par exemple comme ça, vous devez juste accepter et puis voilà, c'est tout. Donc, si vous voyez bien, ce sont les éléments juridiques, ce sont les éléments aussi de règlement intérieur que vous devez avoir pour pouvoir postuler ou bien arriver là-bas aussi pour pouvoir les respecter. Voilà, donc arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir juste sur accepter ici. Voilà, vous allez sur accepter et automatiquement ça vous renvoie directement sur la plateforme afin de pouvoir remplir
et postuler. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord remplir vos données personnelles, la résidence, les documents d'identification, c'est-à-dire vous allez télécharger vos éléments dessus, vous allez mettre votre mot de passe et puis voilà, vous allez soumettre. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que vous mettez vos éléments, vous cliquez sur entrée et ça va avancer pour pouvoir finir l'enregistrement. Voilà, donc les gars, c'était juste une petite vidéo pour vous. C'était moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Pour ceux qui souhaitent avoir je vais dire comme ça, des services auprès de nous, vous pouvez regarder en description. Il y aura nos contacts là-bas. Vous pouvez les utiliser pour nous contacter pour que on puisse se comprendre et essayer de postuler aussi pour vous. Voilà, ceux qui veulent poser juste des questions, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais essayer de vous répondre directement là-bas. Voilà, donc les gars. Surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas, et puis ne vous découragez pas en ce qui concerne les résultats qui sortent, parce que tôt ou tard, pour ceux-là, ces boosts-là, vous allez les avoir forcément. Donc, les gars, à plus. Là, voilà, ça fonctionne, ça va comme ça.